Aujourd'hui, on va découvrir l'évolution des boss catnap du chapitre 3 de Poppy Playtime. On va commencer par la première évolution de Catnap, qui est le tout petit Catnap. C'est Catnap Rin, voilà. Donc c'est quand il est en version un peu peluche, vous savez, des smiling creatures qu'on trouve justement dans le cirque, voilà. Donc là, à première vue, il a l'air très sympathique, tout mignon, tout ça, tout petit. Mais en fait, il est terrifiant. Regardez, si je prends possession de lui, oh là là. Fais voir un peu, est-ce qu'il fait vraiment très mal ou pas? Oh les patates, qui donne ulti. Oh là 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 là, il fait si mal. Okay. Oh là là, regarde comment il pousse Guy. Oh là. Non mais attends, mais il fait tellement mal. Et est-ce que tu es si violent que ça? J'espère que non. Hein. Attends, on va voir un peu. Si je me mets là comme ça, attention. Non mais en vrai, ça va pour l'instant. Ah non, ça va. Oh, ils vont se battre. Ils vont se battre, attention. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ça va, il est pas... Oh, je vais dire, il est sympa, mais il m'a tellement... Mais poutré, quoi. Oh là là. Non, il revient. Non, lâchez-moi. Arrêtez, Eugie, je te tiens. C'est bon, je te tiens. Hop là. Non. Mais attends, mais comment il a été si vite? Mais c'est n'importe quoi, je me fais totalement bolosser. On va continuer avec sa deuxième évolution. Donc là, on a un catnap qui est déjà un peu plus grand. Mais regardez, il a encore ses coutures. Comme s'il était encore en mode peluche, tu vois. Mais à la taille du catnap qu'il y a dans le Poppy Playtime chapitre 3, tu vois. Qui se balade, hein, qui se déplace tranquillement. Et regardez, derrière, il va pouvoir affronter les personnages de Garden of Banban. Oh, il y a même Jester et tout. Ah ouais, trop stylé au pila et tout. Ok, attention. Alors, on va le contrôler ou pas? Est-ce qu'on le contrôle? Allez, vas-y, on va le contrôler. Hop là, ah, là maintenant je prends possession. Fais voir un peu, est-ce qu'il fait mal ou pas? Oh, les coups de patte! Oh, les coups de patte! Oh la vache! Maintenant il fait si mal! Oh là 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 là! Ah ouais, il les explose. Attends, mais l'éléphant, attends, il tient le coup, mais regarde ça! Oh! Non mais attends, comment ils sont déjà KO? Ok, alors attention. Donc là maintenant, je vais me préparer. Je vais quand même m'éloigner un peu parce que je ne connais pas sa vitesse réelle, tu vois, attention! Ok, c'est bon. Ah, c'est bon. Oh, il arrive, attention, il arrive. Ouf, il m'a marché dessus, mais d'une puissance. Et on continue, les amis, avec la troisième évolution de Catnap. Regardez, c'est le Catnap déjà un peu plus grand. Là, il ressemble vraiment à celui qu'on a dans le jeu. Regardez, il a plus de couture et tout. Il est si grand. Waouh, il est trop stylé. Et en face de lui, il y a tous les personnages de FNAF. Et ils sont tous là, ils l'attendent là, je peux vous dire. Et là, il est prêt. Oh, tiens, oui, il y a même Glamrock Freddy et tout, trop stylé. Ok, très bien, attention. Allez, on va le contrôler un peu. Wow, ok. Wow, il fait tellement mal. Il fait des gros dégâts de zone. Oh là là, c'est vraiment le boss, hein, Catnap. D'ailleurs, dites-moi, les amis, dans les commentaires, si vous préférez Huggy Wuggy, Mommy Long Leg ou Catnap. Ah ouais, là pour l'instant. Non, mais regarde ça. Attends, mais genre, il a deux attaques. Est-ce qu'il a vraiment deux attaques? Non, il a qu'une attaque, par contre, il court genre super vite. Non, mais il va me rattraper, mais d'une vitesse, je vais rien comprendre. Regarde, hop, je vais me mettre là comme ça. Ok, Catnap, t'es prêt? Attention, ok. Non, c'est bon, ah, c'est bon. Il n'en a pas après moi? C'est bon, ça va ou quoi? Est-ce qu'il m'ignore ou pas? Ouais, pour l'instant, ça va, il m'ignore. Il me cherche, je crois qu'il me cherche. Je pense qu'il me cherche. Il essaye de trouver le moyen de... Non, c'est bon. Ok, c'est bon, je crois qu'il l'a laissé tomber. Ok, il essaie, je crois qu'il y a un truc en bas. Il y a un truc qui a dû tomber, non? Attends. Oh, non! Je pensais qu'il m'avait pas vu! Oh non! À tous les coups, il essayait de choper un Freddy qui est tombé en bas! La prochaine évolution, les amis, de Catnap, c'est Nightmare Catnap! Vous vous souvenez sûrement de lui? Oui, oui, avec sa forme monstrueuse, hein, quand il vous balance, bien sûr, sa fumée rouge toxique. Vous le voyez de cette façon, hein, tel un cauchemar! Et regardez à côté de lui, à sa gauche, on a bien sûr les Skibidi Toilettes. Et de l'autre côté, nous avons les caméramans. Allez, on va voir ça. Est-ce qu'il est vraiment plus fort que les autres? Ouais, ça veut rien dire, hein, attention. Oh la vache, il résiste de fou. Regarde ça. Attends, il peut peut-être le pousser pour le mettre en dehors de la zone. Ah bah non, c'est bon, il l'a tué. Ah ouais. Ah ouais, il met des coups de patate, rien de ça. Oh là là, on dirait vraiment un catnap, mais bah, totalement squelettique, quoi. Oh là là, attends, mais je l'ai totalement broyé, là, non? Il l'a totalement broyé. Ok, attention, suivant. Alors là, c'est un skill des toilettes. Il est parti où? Mais what? Ok, bah il est sorti de la zone. Oh là là, le DJ skill des toilettes. Attends, mais il y a un skill des toilettes dans une machine à laver, là? Mais ouais. Ah, je crois qu'il est mort, hein. Je crois que je l'ai tué. Attention, le boss, c'est skill des toilettes. Allez, viens là. Tu peux rien faire face au Nightmare 4 Snap. Allez, rentre dans tes chiottes. J'ai tiré la chasse. Et celui-ci, attention.
Oh, celui-là, il est beaucoup trop petit pour, là, pour résister. Attends, mais il en reste un. Il y en a un qui est encore vivant, là. Allez, hop. Allez, allez, ça dégage. Ici, c'est la zone de catnap. Attends, mais ils sont encore vivants, oh, ces caméramans. Mais oui, ils sont encore vivants. Voilà. Et le dernier, là, avec son canon laser, là. Et boum. Mais il est tellement rapide. Ok, allez, attention. Catnap, est-ce que t'es prêt à essayer de m'attraper ou pas? Attends, je vais ranger la croquette. Voilà. Il se passe quoi, là, encore? Ok, c'est parti. Oh, il arrive! Attention! Non! Mais attends, mais il fait la taille d'un T-Rex, le truc! Ah bah, il s'est barré. What? On a maintenant l'avant-dernière évolution de Catnap. Regardez comment il est terrifiant. C'est le Curse Catnap. Donc là, il a récupéré un peu sa forme de base. Il est plus en mode nightmare, en mode cauchemar. Par contre, attendez, là, il a perdu un œil. Ça a été recousu. Oh, la lune est devenue rouge. Rouge sanglant. Regardez, il y a du sang un peu partout. Les ossements, c'est un peu comme si là, c'était la fusion. C'est au moment où il se transforme en Nightmare Catnap. Là, regardez, là, il est sur le point de se transformer en Catnap du cauchemar. Ah ouais, là, il y a carrément la peau qui est partie, tout ça. Ah, il est terrifiant avec son œil qui est devenu rouge et qui n'est plus blanc. Ok, ok. Et en face, on a regardé les Rainbow Friends. Ouais, ils ont fait de la muscu, ouais. Là, laisse tomber. Orange, qu'est-ce qu'il soulève? Ah bah, il soulève son respect, là. Il soulève des erreurs, très bien. Non, mais il a une tête de plow green. Non, mais son short, c'est Hulk ou quoi, là? Ça, c'est les Avengers si Disney avait coulé, tu vois. Voilà. Mec, regardez la fusion de tous les Rainbow Friends. Bon, là, on va voir un peu, mais je pense qu'on a déjà la réponse. À mon avis, Catnap est forcément le plus fort. Ok. Attention, les patates. Il peut attaquer ou pas? Ah, il peut les pousser. Il peut pas les attaquer. Attends, genre parce qu'ils sont trop forts? Mais non, tu déconnes. Attends, genre, c'est vraiment ça? C'est vraiment parce que... Attends, mais il est tellement grand que il peut même pas taper. Mais non, je suis trop grand. Attends, moi ça va, il risque pas de m'attaquer. Par contre, je pense qu'à mon avis, si je contrôle lui... Oh oui. Attends, là pour une fois, c'est l'inverse. Oh, oh bah j'ai explosé orange, désolé frérot là. Oh la vache, mais regarde ça. Oh, je l'ai explosé, il s'est ici. Oh là 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 là. Ouais, bah en même temps, là c'est un peu la fusion de tous les Rainbow Friends. Donc il est beaucoup trop fort lui. Ok, ok. Oh non, Catnap. Attends, hop là, eh, salut hein. Hop. Attends, et là lui il va pas m'attaquer ça... Oh la vache. Oh là, non 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 non. Moi je suis sympa en fait. C'est bon. Qu'est-ce qu'il fait? Oh ça va, mais en fait il est cool. Il est cool. Oh la vache, par contre c'est vachement haut ici. Allez, pour une fois je vais pas mourir dans ce round. Et voici l'évolution ultime de Catnap les amis. C'est Scary Nightmare Catnap. Oh là là, mais lui il est gigantesque hein. Il fait au moins 50 mètres de haut. Et regardez en face de lui, il va y avoir toute l'équipe de Poppy Playtime chapitre 3. Tous les jouets, les monstres. Regardez, on a le Nightmare Huggy hein, je vous rappelle, qui sort de la télé. On a bien sûr Dog Day, le plus sympa. Et bien sûr les... Je les déteste. Les Smiling Creatures hein, qui sont là. Avec, regardez, Miss Delight, la prof là. Range ta langue, s'il te plaît. Nous avons aussi Benzo. Benzo, tu n'es pas dans le... Oui, mais je voulais m'inviter à la fête, moi. Non. Non. Désolé, mon pote. Et surtout, nous avons le bras du prototype. Oui, alors lui, c'est vraiment le mystère. Même là, regardez, on l'a pas. Hein. T'as cru qu'on allait là-bas hein? Eh non. Eh non, eh non, eh non. Et on a les Smiling Creatures. Et bien sûr, Yiboyi. Ouais. Bon, moi, toi, c'est pareil, en fait. T'es pas vraiment là, en fait. Hein. Désolé de te le dire. Voilà, attendez, je vais les remettre un peu l'un à côté de l'autre. Voilà. Attends, viens là. Voilà. Ok. Hey, ils sont stylés en vrai. Hein. Ils sont très très stylés. Ok, bon, on va prendre la possession de cet immense Nightmare Catnap. Non mais. Oh, la taille de la bouche, j'avais pas vu à quel point elle descend quoi. Mais attends, mais laisse tomber le palais. Alors toujours ce délire de la lune rouge. Donc là c'est vraiment l'évolution finale de Catnap. Hein. Il est gigantesque. Il a des pics monstrueux. Monstrueux. Il a un œil plus petit que l'autre hein, d'ailleurs. Ouais, très squelettique. Ah, il est terrifiant. Et on dirait qu'il a une queue d'alien. Vous savez, d'alien dans genre un xénomorphe quoi, tu vois. Voilà, bon, allez, attention. Est-ce que celui-ci est violent ou pas? Non, on peut juste le déplacer. Ouais, c'est ça, le Catnap Curse Nightmare. Oh, wow, là, là, mais regarde la taille qu'il fait par rapport à Dog's Day, s'il te plaît. Oh, c'est terrible, hein. Il est vraiment terrifiant. Les pics n'y sont pas d'origine, hein, je vous rappelle. Hein. Ça, c'est vraiment nouveau, tu vois. Donc, vraiment, il est il est terrifiant. Ok, ok, ça roule. Bon, eh ben, on va voir un peu si ils peuvent se battre. Hein. Allez, c'est parti, attention. Oh, non, 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 non. Oh, ils ont voulu m'attraper, mais qu'est-ce qu'ils font? Ah, ils sont partis ramasser de la pelouse, je crois. Voilà. Oh, la main du prototype qui se balade comme ça, c'est tellement glauque. Attends, je peux pas, genre, la contrôler un peu? Faire un peu? Attends, je crois qu'elle est... Ah, si! Ah, oui, je contrôle le bras du prototype! Regardez!
Oh, je peux refaire la scène si je veux de... Oh la vache, oh les patates que je mets là. Oh là 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 là. Regarde, il y a un Smiley Creature qui se dégonfle là-bas. Là. On dirait c'est un ballon que j'ai crevé. Oh, regarde, je peux faire la scène avec Catnap qui se sacrifie à la fin. Attends, je peux le pousser ou pas? Attends, il y a peut-être moyen de... Oh non, il est invincible. Oh non, regardez. Oh, j'ai récupéré ce qui m'appartenait. Oh là là. Terrifiant la main comme ça, hein, vraiment. Bon, les amis, est-ce que vous êtes prêts pour la dernière bataille finale? Allez, c'est parti. On est parti, les amis, du coup, pour la bataille ultime avec toutes les évolutions de Catnap. Alors oui, en fait, au début, vous avez vu, il y en avait une deuxième comme ça, mais en fait, c'est la même, c'est juste qu'il était assis. Et regardez, en face, nous avons bien sûr toute l'équipe de Poppy Playtime, avec même le prototype, hein, vraiment, c'est le créateur. Mais attends, mais je le voyais plus grand que ça, lui... Hein? Non? Et après, vous inquiétez pas, à la fin, on fera un truc gigantesque où il y en aura vraiment des centaines de milliers. Allez, attention, vous êtes prêts? Let's go! Oh là, ils s'entretuent entre eux. C'est normal, il y a qu'un Catnap qui veut rester en vie, hein, tu m'étonnes. Oh la vache! Oh, ça se passe tonne! Oh bah, ça y est, c'est gagné. Allez! Bah voilà, bah il reste en vie du coup le prototype, hein, normal. Ah bah qui se barre, hein, d'ailleurs, hein, c'est un peu le boss, hein. Il reste le Zivogila, le Nightmare, le Catnap qui est présent, très bien, très bien. Bon, maintenant, ah bah attends, mais j'y crois pas, la plus grosse évolution de Catnap, elle est morte. Genre c'est celui-ci qui est resté, et même lui il se dit mais what? Comment ça se fait? Et on est parti pour la bataille ultime. Regardez, ils sont tellement nombreux, il y a beaucoup trop de Catnap là. Ouah, j'aimerais tellement pas être au milieu. Heureusement il me voit pas, tu vois, hein. Et de l'autre côté, regardez, nous avons beaucoup trop de personnages de Poppy Playtime. On a Dugsdale, on a des petits Smiling Creatures qui sont là. Ah, ils sont tout de suite moins terrifiants, hein, bien sûr. On a le Scary Huggy Wuggy, le Huggy Wuggy qui est là. On a, regardez, le Huggy Wuggy Girls. Il est horrible, horrible. C'est le Huggy Wuggy araignée, genre momie longlegs, quoi. Ah, oh, ouais, regardez, il est porté par ses pattes et tout. Celui-ci, vous l'avez jamais vu, hein, bien sûr. Donc voilà, avec bien sûr Dugsdale. Et attendez, attendez, on va y ajouter bien sûr le fameux prototype. Voilà, on le met derrière, voilà, comme ça. Est-ce que vous êtes prêts? Attention. Est-ce qu'ils vont se révolter l'un contre l'autre? Il y a même des Catnap l'un sur l'autre, quoi. Attention, les amis, est-ce que vous êtes team Catnap ou team Dugsdale? Mettez-le moi dans le commentaire. Allez, c'est parti, 3, 2, 1, let's go. Wow. Oh la vache! Oh là 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 là! Oh mais attends, mais le prototype il est trop fort en fait! Regarde ça! Oh, ils sont en train de se battre et tout, ça porte. Oh, les Huggy Wuggy avec les Catnap! Qu'est-ce qui se passe? Mais on sait même pas ce qui se passe! Oh, les Dugsdale! Attends, c'est déjà fini! C'est déjà fini! Oh là! Qu'est-ce qu'ils nous font là? Ils font du... Ils font un rap là ou quoi là? Et voilà les amis! Oh là là! Mais voilà ce qu'il reste. Voilà, nous avons un Spider Huggy mort là. Nous avons le Catnap qui a donné son dernier, sa dernière bouchée de fumée de sieste. Voilà. Et bah écoutez, au final... Hein, ils sont quand même plus nombreux, hein, les Catnap, hein. Donc on pourrait presque dire qu'ils ont gagné quand même. Mais ouais! En tout cas les amis, on va du coup s'arrêter là. C'était surtout pour voir l'évolution de Catnap de Poppy Playtime chapitre 3. J'espère en tout cas que ça vous a extrêmement plu. C'est le cas les amis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez voir une autre vidéo avec les autres personnages. Il le tire ou quoi là? Mais qu'est-ce qu'il fout? En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche pour ne pas rater la prochaine vidéo. En tout cas, merci beaucoup. C'était votre Jumper et on se retrouve très bientôt les amis pour une nouvelle vidéo avec les personnages de Poppy Playtime. Allez, et ciao les amis.